invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022 at Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Heirs Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022 at Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Heirs Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022 at Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Heirs Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022. At Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Shalom, shalom, gloire, gloire, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je suis Maman Hortense Kumu et me voici aujourd'hui devant vous pour présenter notre émission de Maman. Aujourd'hui, notre host, Maman Kabibi, sera avec nous comme invitée. Mais c'est moi aujourd'hui qui va parler, qui va hoster l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous et nous remercions les visionnaires de Heirs Ministry, notre papa, le révérend Mabs Nakumu, qui nous a fait grâce et qui nous a donné ces plateformes pour que nous puissions à tout moment
venir dans vos maisons, parler. Et je vous demande à vous tous qui êtes connectés de partager, d'aimer, partager, afin que nous puissions être nombreux à suivre cette émission. Tous à la wana, ebele, ebele, tout partager, pona. Et comme la moutounion, surtout, tout landa, tout partager, émission, oyo, ensemble. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi vous faire savoir que bientôt, là, nous célébrons notre 30e anniversaire. Ah, gloire à notre Seigneur. C'est une grâce, vraiment, une grâce qui est de faire 30 ans dans le ministère. Nzambe o asalibiso bolamu, asalibiso ngolu. C'est pas du tout facile. Nous avons connu des hauts et des bas, mais Dieu est toujours fidèle. Comme il dit dans sa parole, il est le Dieu fidèle, il est toujours fidèle. Toujours fidèle. Et dans sa fidélité, il nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de septembre, le 30, le 1er septembre. Et pour le 7 octobre, nous allons célébrer trois jours de célébration avec le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ses ministères, pour sa grâce, pour sa bonté, pour tout ce qu'il est. Et on a invité yo aux Olandabiso en ce moment, partager pour que nouvelle oyo et comme la déconion surtout oyo surtout à l'écran à Earth Ministry oyo sur un jour à prier un abisso ensemble même bao ba prier un abisso te vous allez vraiment inviter vous êtes welcome yakoya ko célébrer un abisso ba jour oyo et a préparé pour na ko célébrer avec le Seigneur notre 30e anniversaire. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, dans ce cadre, nous voulons parler d'un sujet très important. Un sujet très important. Je sais que la fois passée, Mama Kabibi avec Papa Jean-Luc, et ils nous ont partagé avec Mama Maï, Balobela Kibiso, Présenta Kibiso, Sige Moko Kitoko. Comment vivre avec un conjoint compliqué? Et c'est là qui vraiment bénissant, que le Seigneur le bénisse. Et aujourd'hui, nous aussi, nous voulons partager un sujet très important. Mais avant de parler de cela, je veux vous présenter notre invitée, celle avec qui je suis aujourd'hui, une sœur de l'Église qui a fait longtemps à l'Église. Et je vais la laisser la parole. Elle va se présenter elle-même à Koloba, à Zanani, à Salakanina, à Earth Ministry, professionnellement. Et là, on y a Salaka, et là, on y a Salaka, à Earth Ministry, à co-présenter Ango, Nabiso Yemoko, à Koloba. Mama Betty, à toi la parole. Bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure vous nous regardez. Moi, c'est Mama Betty Lukun, et Moulenga. Je suis membre de Earth Ministry de 30 ans. Alors, je suis dans le service de Maman Anne et je suis aussi dans la chorale des mamans. Et je suis mariée, mère de 3 enfants. Et professionnellement, je suis teacher, je suis enseignante. J'enseigne pour presque 37 ans. Je suis dans l'éducation. Donc, c'est ça. Merci. Yes, c'est Mama Betty, comme nous l'avons dit, et Toza aussi, na Mama Kabibi, qui bientôt la sera là. Mais nous allons commencer notre émission. Notre sujet d'aujourd'hui, nous voulons parler de comment affronter les abus dans la famille, ou bien alors en anglais, parce que les mots que bien connu en anglais, Tolingi Kolobela, how to deal with abuse in the family. Comment affronter les abus ou alors maltraitance, comment les affronter dans la famille. Là, c'est notre sujet d'aujourd'hui, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre de Luc 10, 27. La parole nous dit ceci. Le Seigneur nous dit que tu puisses aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, et aussi aimer ton prochain. Là, c'est la parole du Seigneur. Donc, Sengeli Nabiso Tolinga,
tous à bolingo, tout partager à bolingo. Tu dois aimer ton conjoint, tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et quand tu aimes quelqu'un, maman Betty, tu peux pas lui faire du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu auras toujours compassion. Tu sauras toujours comment traiter la personne. Et notre sujet d'aujourd'hui, comme nous voulons parler à Babi, yangwana tolingi to bake, eza sujet moko très important. Eza vraiment important na société où tozo vivre, dans la société européenne et puis même dans la société africaine. Sujet oyo eza vraiment condamnable. Ce qui to moni to zo mona ba victime ya sije oyo souvent ba tikalaka na ba trauma na vie na bango bazalaka traumatisé par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie et to zo mona pe bato ba sala kango ba o ba kometaka abiu na ba vie ya bato société hôtel ça biso que ces gens là ils sont condamnés bazaka condamné ba msusu ba pasaka ba nebele na prison. Pourquoi? Parce que bah commettre et loco oyo est condamnable dans la société. Et on a même tant que to bandi to lobi Luc 10 verset 27 pour la côté la côté il s'abisse que cela est non seulement condamné dans la société mais surtout c'est condamné aussi dans la parole, c'est condamné aussi dans la Bible. Quand tu aimes ton prochain, tu peux pas lui faire du mal. Okoki ko sala e mabete soki olingi dekonayo. Yango mama Betty yo oyo professionnellement ozana kati éducation to moni awa comment na mboka oyo to vandi surtout na société na biso comment ba bu ezali makasi comment to kolobango plus na anglais pour que ba tu ba comprendre facilement comment abuse est vraiment condamnable. Alors yonde oyo oza penza na miliango puis ozwa opportunité on a ya kotanga ngo okoki ko expliquer biso un peu c'est quoi abuse. Okay, merci maman pour la parole. En fait ne maman lobiwana abuse ezali vraiment elo omo eza vraiment commode eza vraiment makasi eza na kati ya ba milieu na biso. Ils ont un milieu éducatif, ils ont une famille, ils ont une communauté. Alors, pour commencer, alors, nous avons expliqué, nous avons fait comprendre que nous avons abusé. Nous avons dit que ceux qui ont été dans le dictionnaire, ils ont abusé et ont un verbe abuser. Abuser, ils ont faire du mal. Use, donc, ils ont utilisé quelque chose, il y a alors, ceux qui ont été dans le dictionnaire, Ezako et l'obana puis ils ont expliqué puis lobby que abus ezali un mauvais usage ezali usage moko excessif donc il y a ezali usage injuste mutazo sala abus à ça abus wana tobona bako sala ngo na mutu o sala ngo na nyama o sala ngo pe na nature. Alors tout le baki abus est quelque chose de mal, comme maman a expliqué. Biblique m'a fait ça condamné, ça condamnable de faire du mal. Moutouba ou ça peut abuser naïe moko. Donc cela vient de Ezali, le col Ezali, le comoko Ezali, répétition du mal. Tout le monde a rababu, monsieur Cézalaraki. Moutou par exemple, abus, moutou neti na lobi que moutassa abu naïe moko. Moutassa abu naïe moko en moutou docteur à l'obino qui est melakisi. Parce que là, c'est pour ton corps, c'est pour toi-même. Yoskozo melakisi osa ko abuser nango dans le sens que docteur alobi mela comprimé mon attend mon ami dit mon na pourquoi mais yosiko par contre tellement que tu as mal osa pas sur l'hôpital une fois na melebele ou bandio mela 2-2 ou bien bandio mela selon toi donc voilà pour osa déjà ko s'abuser nanzo to na omoko to mon rappel mi sous pe na ba famille ba tu ba na ba couple soit le mari soit c'est la femme mutumoko aza ko s'abuser na muninga nae aza ko s'abuser eza ko ka ke faire du mal. Yes, c'est vrai, maman Bettine, nous avons abus, et ça, le quoi, à cause ça, là, du mal, et ça, maltraitance, faire du mal à quelqu'un. Mais si tu es bien, tu es bien, tu es oh to yo kaka souvent total a quand même na télévision na ba émission na ba news to mona ka ba abuser mututel ba abuser na mututel souvent ezala ka l'abus sexuel mais est-ce que il y a seulement l'abus sexuel ou bien ezala ba sorte belé ya ba abus so que ezali okoko pesa biso ngo pona to meka ko faire comprendre toute personne o a
bazolanda biso ke ezali oyo babi ezali la non seulement sexuel mais a aussi na babi mususu. OK, oui, en fait abus ezaka la sexualité. Abus ezali vraiment eza ebelé. Mais na ebelé wana toza au moins na 4 points ya babu, 4 sortes ya babu oyo eza plus commode. Tozali na abus physique, abus il y a négligence, abus émotionnel, na abus sexuel. Na kati wana eza na babu na kati eza neti na émotionnel, toko ba na émotionnel eza quoi verbal. Ya wana eza vraiment 4 points ya babu oyo vraiment eza vraiment commode au bisonyo stoyebi. Yene mama betia uti kolobawana il y a 4 abus o eza commode tozo mona abus sexuel tozo mona abus émotionnel tozo mona abuse physique et puis tozo mona abuse neglect abuse o tolobina français abus par négligence. Alors mama betia okoki ko expliquer biso moko moko ndongo lobi abus physique émotionnel les aka verbal bongo siko so tolin koloba abus neglect abuse bien abus par négligence eza ndenge nini la kisinine. OK, abus par négligence voilà toko le baké ezali donc eza manque ya ko s'occuper na batu eza loko la ke nani n'appelle ça exemple comme dans une famille toko mona ke mama azana bana nae mama akipara bana te abuan azako pesa bana biloko kolia bieta azako s'occuper na bana te. Cela veut dire que tu négliges la santé, tu négliges l'habillement, tu négliges tes enfants. Et il y a même d'autres maris qui négligent leurs femmes. Après sera moi simbo kolia te akipara basoin anda kute wana ezali négligence ozo négliger babatu au point de vue il y a nutrition, au point de vue il y a kolata on voit des fois mama zolata bien aza ko s'occuper na bana te. Sou ba ko présenter ba bi ke ah oyo mwana ya mama telle. Mais quand tu regardes la maman, tu vois que c'est vraiment une maman très bien habillée et très jolie et très propre. Mais quand tu regardes son enfant ou bien sa fille ou bien son fils, il y a pas vraiment photo. Ils sont pas vraiment wana vous mes a différent. Wana ils ont vraiment négligence et c'est condamnable. Alors donc l'habit négligence par négligence c'est ça vraiment condamnable. Et alors habit toxotolobi c'est quoi habit physique yango ezanine tant bazo baké bazo ko abuser mutu physiquement wana ko expliquer biso ngondene habit physique ezali loko moko ezali pour commencer sa violence ezelo mo parce que là quelqu'un fait avec la violence ezelo moko ya ba coup ya ezelo mo ezo tika batrace soto bi ke habit physique ezali loko moko oyo eza acte oyo quelqu'un fait avec violence, taper, pousser, donner des coups de poing, des coups de pied, même gifler, eza nani, abus, eza physique. En physique, il y a des traces qui restent. Au moment où muta otika na ba cicatrice, il y a des blessures, il y a des sang, muta vimbi, muta zoki, des fois même ba tubisu pe ba kufaka. Na abus wana muta beti mutu, abeti nani kut. Na za un exemple moko concret et elinga sikoyo, tant to za ko la maman, tu sais au Congo, tant to iba na mike. Au moins la professeure Alinga Beta, on y a plus mal à tout moment, on fait ça, Mike. Par exemple, en gros, règle. Par règle, moi, c'est qu'il y a bois ou bien il y a métal. Alors, on retient Misapi Boye. Quand tu fais comme ça, mettre à Robeta, papa, vous en faites 5 ou 10 fois. On a vraiment, ils ont vraiment ma bé. Ils ont vraiment ma bé. On a vraiment, toi, qui m'a dit qu'on s'abusait dans le bisou. C'était vraiment terrible, c'était vraiment mal. Donc là c'est abus physique. Ouais, bon aussi ko abus sexuel na kanti yango eza facile hein. Je crois que batubele ba ebi yango yango penje eza commode na mboka oyo eza commode même na Afrique. De fois en Afrique on ne parle pas cela ba mona yango neti sujet moko tabou eza ka vraiment caché et pourtant en Afrique même na société ya biso africaine ya ba noir même na communauté na biso congolaise eza vraiment abus moko aux Ezali, mais de fois les gens ont honte d'en parler. Mais dans cette émission, Tokoye ba toujours qu'on parle nango, qu'on explique. Alors toi qui nous suis, vraiment nous te prions, yako cher émission Oyo, cher yango, aime, cher partage, parce que okozwa connaissance, oyeza vraiment très important, oyeko aide ou même na éducation à banana yo. Tozo continue toujours dans notre émission et Mama Betty vient de nous expliquer là ba sorti ya babu o tozanango nyonso tout mais si ko mama Betty nalingi ko tout na question oyo pe nalingi ko tout na question
Qu'est-ce que dans notre communauté congolaise, Ezape na abi par négligence, parce que nous voulons plus aujourd'hui na point sur les quatre habits auto to yebi ko expliquer les loto lingi plus ko se focaliser na abuse par négligence auto lobi neglect abuse ou bien na abuse physique auto lobi physical abuse loto lingi plus ko se focaliser nango ko lobela nango pe ko tuna ba question nango parce que to moni ndenge to tikoloba esa vraiment comment on a milliers na bisopé et si le temps nous permet nous pouvons peut-être entrer na ba sorte msusu ya ba abuse mais le lot lingina ko focaliser na oyo. Alors mama Betsy, question na lingi ko tuna yo, est-ce que na communauté na biso congolaise ezali pe na ba ka oyo ya abuse par négligence? Oui, ils ont vraiment ébélé. Ils ont vraiment ébélé. Tout le monde a rangé vraiment. Nga moko kuna zaki victime na musala nangai. Nazai na moi na biso moko ya congolais quelque part. Moi na wana to remarque na ba collègue nga ke moi na zaki négligé. Alors ne ba ebi ke toza ba tomboka moko ba checking na naza na contact na ba parents. Mais les parents ne savaient pas que ba checking na contact na ye ezala ki na speaker. Okay. En tout cas zaki ya mingi. Alors du coup yo na bengi papa wana ba ebi singa bina ke problème ezate ko kuso na langue na bino po ezana pendant na anglais na expliquer papa wana bito zo mona mwana azaro ya boye boye na boye, ça fait un peu des années mwana zo ya boye na boye za bien te papa wana silika asike azolo bana lingala mais ba collègue na nga na assistante sociale azaki wana a sentir que papa wana lo baki na nga mabe papa ba na nga ke soko zo sakana na ngai na ko ya ko beta yo. Ah bon? Eh, donc, on est commis sous abuse, balamongo. Si, yeah. Donc, parce que on a to ndenge selon explication où tu koloba to ko tiens on a cadre ya verbal, émotionnel. Mais sous total bien na kati ya famille wana je suis sûr qu'il y a l'abus physique pesali maman wana aza apité bon na négligence de maman lobby. Je reviens à la question que tu m'as posée. Oui na kati ya communauté na biso abus ezali et nani abus par négligence ezali ba tout mingi baza négligé bana mingi baza négligé to mona bana misusa oya na classe a mona bache biloko oya na cantine mwana aza kolia tu vois que l'enfant mange il mange vite pour contre encore l'autre pour azwa susu plus que baningane là où yebi que moi na nanda ko na bon ali ka bien ta za négligé ceux qui moi na za pe négligé moi na autant a bien té donc na ko ba attendre ce na classe les a bien té moi na osa ko lemba a osa soucieux moi na osa la bien té. C'est vrai na communauté na biso ndongo utikoloba mais apparemment kota la comme to vivara na communauté na société surtout si je vois peut-être comme tokuta na na balier na biso na ba fête na ba église nous voyons comment dans la communauté congolaise comment on se présente, on s'habille bien, on est bien habillé propre. Est-ce que c'est difficile de croire vraiment qu'il y a des mamans, il y a des papas, il y a des parents oyo bana na bango baza négligé, balia ka bien té, balata ka bien té. Mais laisse-moi tourner et pas à maman Kabibi. Welcome, naibi kozu moi retard moqué. Yo, c'est pas très important à vous présenter yo po osa vraiment koni a oyende azali host na biso yende mutu a présenter ka souvent émission oyo et j'en profite pour te dire merci de m'avoir permis aujourd'hui de prendre ta place pour présenter cette émission. Merci pour cela. Et comme nous l'avons dit au début, merci à notre papa, le révérend Maps, qui nous donne toujours cette opportunité de s'exprimer devant les gens et de partager des sujets tels que nous le sommes. Continuez à partager à cœur pour la gloire de notre Dieu. Aime et partage. Si vous êtes là, faites aussi des commentaires. Faites des commentaires à Bandeko Baza Connecté. Faites des commentaires,
c'est mieux au coquille qu'au partager coco ma bas sorte n'y a soit habillé au totier à ou à babius n'y a soit au commis au coquille coco mango pour qu'un déco ou peut-être à eba quitter ou à canisaka qui y a seulement l'habit sexuel tant que au commis bas sorte n'a pas n'y a soit ça permettra à quelqu'un qui va nous suivre à y eba bas sorte ou à n'y a soit. Alors maman Kabibi, on était en train de poser la question à Koyeba, ce qui na milier na biso na communauté congolaise et ça aussi na bi par négligence. Est-ce que ça ba parents ou ba négligera ba na bango ou ba na bazo baza ko se présenter bienté na école peut-être bazo ndenge mama betia uti koloba à l'école on remarque ba no baza maltraité na ndaku. Est-ce que ezali na ba parents oyo basala ka bablo kwa bongo est-ce que ça na même avis na mama Betty? Yes mami naza même avis na mama Betty, vraiment na communauté na biso eza ebele sauf que toloba ngo a autre voté mais vraiment na communauté na biso eza ebele non seulement bana baza abusé et na ba papa aussi na ba mama aussi donc na kati ya famille penza neglect abuse eza penza ebele na kati ngamoko na uta ko zo problème ba abus par négligence aussi ezalaka na lobandeni ezalaka tant mususu ezalaka inconsciemment zoye baté ngamoko na utaye ko za na problème wana école mwana na tongo ava ke de classe abandaye ko yebisanga mami na alingi ko lia biloko na cantine té asepelaka na biloko wana té alors na ndaku na bandako salela e breakfast ava kinde siko soka komilera ko lia tellement ça est qu'au breakfast nanda kuna tongo tongo siko soka komina classe lia ba ko servir bango azana nzala a okokate siko ba toka na école ba bandai ko observer ba tali ba moni sali une semaine eza ko se répéter soki siko ba PCG modèle mona ko akomela ndenge kaka mama beti a lobi donc soki ameli faire mon kwa kitisi ameli mususu kitisi ameli non non ba lobi c'est qu'il y a un problème. Ndeba eko benga ngana ke na biro la ba eko benga ngana ke na biro ngana eba kite sala ki abuse ngana explique ba ngomba bi non 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 tala de 7h30 azo zo breakfast ti la ba koya ko lia soki ba 12h30 soki ba en baliaka ti azo ngana nda kuna pokwa atayo moko omote ke zalie bele non non ndeba eko pesa nga carte ba lobi na ti la kaembo na kati po abanda ko lia na école donc na kati ya communauté na biso eza vraiment ebele. Ah, mais donc maman na moni na kana yo wana un exemple ya pesi c'est vrai na kati ya école na communauté bisika mwana so kende ba ko considérer ngo comme abuse par yes. Négligence mais si ko yo moko na kati na oyeba ki te yeba ki te donc eza ba mama mingi tozo ko loba tozo ko conseiller ba mama il faut toujours ko sala attentif na ba comportement na ba attitude ya ba na biso ko tuna ka bango pe tan ba uti na école comment est-ce que se comporter le lengene le basala ka parce que ce roseau solo là tu vas comprendre que non moi je ne mange pas à l'école je n'aime pas la nourriture de l'école au comprendre option une ozwa pour que on éviter un jour ba condamné yo un jour ba benga on école ba banda ko tuna yo que moi na na za négliger tout ça donc ça vraiment nécessaire et singel na biso to ye ba lo lengene ni ya ko vérifier pe ya ko tala lolenge ba na biso babandi bazali ko ken école. Alors maman Betty, comment alors affronter pour si je na biso ezali comment affronter les abus dans la famille? Comment alors affronter abus neglect abus? Yo étant ndengo uti opes exemple na yo étant mutu azana domaine éducation, au remarquer que ndeko wana bana na e bazana situation wana surtout na kati ya communauté. Alors comment approcher conseiller une maman ou bien parents papa na maman ou yo ont remarqué que bana wana bana na ye baza na négligence ou bien ndenge tozaka na kati na église tu vois une maman qui vient à l'église très bien habillée mais au monde na ba ané toujours bazala ka bongo basuki na bango eza propreté eza toujours salité tout ça mais comment affronter comment parler à cette personne là comment l'expliquer pour que ezalate que yo na ye ezala na moi accrochage bien quoi. OK merci mamie. Wana eza facile le mot na kati ya domaine eza pe ba kamo pe na kuta na ngwe bele. Misu pe na sala on a cadre ya musala te mais na cadre ka communauté. Eza le mot tu vas d'abord observer la maman.
les parents ou bien les papa au côté là quel genre de personne azali oye ba ke mutu oyo langage nini na kokiko aborder nae oye ba kaza ba genre ba to lo banae oye ba ka kaza ba to so so hotel oye ba ke mutu na ko soani boye nzaba sanga grâce nae ba rafaso ya soana ba to en tout cas côté wana sola bien pour na ko sa bongo ba ke oluka communication ya bien ko ah mama par exemple bien mama ça va ça va. Mais facilité que non en tout cas moi na yo c'est pas facile non c'est pas facile o lobana mbala moko bongote o lobana epe ko bani pe ko lobana ngo lo kwa na das moko boye comme une histoire ou bien et lo mo boye et ça va circonstance na kutana na moko pe to solo na e na mola moi moko azaki ko sentir bien ça kola ki jeune fille ça kola ki. Bon, c'est mais on s'en pas si moi on est gentil, ça on y en quelque part. Ce qu'on a séparé à moi na wana. Ce qu'on a comment le bala maman. Ah, biso ba maman tout ça rabou pour na ba. Et ça qu'on zo lobe la mutuli solo. Ozo betela yo zo ba ne ko conseil bi ah ba ça rabou ma comme ça ba raboué. Mais entre temps zo ba pour na moi na nae. Il y en a zo qui soko yé bien bien soko que quel genre ya mutoro loba. Il faut luka ke luka façon o komi ko ki ko communiquer nae. O ko peut causer la ke. Amen. Ukoze akilu boko za ikwana yelinga siko ukoze lombo kake soki sa anniversaire nae anniversaire a mwana anniversaire a mwana yebike mwana wana za problem oyebike ko ya pe na cadeau moko ya eloko moko ya bien ya ndengo wana oyeb pesa na cadeau moko pesi soki mwana na linga ba jouer bilamba moko ya bien osomeli lamba bien olobi mama na pesi moko cadeau mwiki mwana zokola mwana tsara boya sara boye c'est ça le way tu peux parler so mama na za mayele a comprendre ah mama ya zo yedenga soki mwana nga sa to mwana na lati bien sa boye non mwana nga bongi ah, one is a conseil olenge mama Betty alobina biso mama kabibi yo ndenge ni okoy ko affronter famille oyo ndeko oyo ozo remarqué que na kati yanda kwana moi abuse ezali côté otolobinde tozo ko expliquer neglect abuse oza côté maltraitance côté collier côté présentation ndenge ya kolata ndenge ya suki ya bana ndenge salaka est-ce que yo okoki kolobanini comment okoki ko affronter mutuana. Yes, nga soki na kobaki sana kolobaka kandenge mama Betty a utioloba tout à l'heure. Ndenge mama Betty a utioloba tout à l'heure et lokwa liboso il faut ko observer. Observer non famille wana, papa to mama to bana observer o meki ko comprendre les problèmes. Soko comprendre les problèmes, deuxièmement na uloba, il faut oyeba ndenge mama Betty kara lobi ndenge nini ya ko affronter maman wana ndenge nini ya ko approcher. Ce qu'on peut approcher, l'air auquel qu'on approche, qu'on kende nanu na ko condamnete. Parce que batu bele ba eba koloba la mutute. Tellement yo osa émotionné ya ko mona mwana wana za négligé, to mwa si waza négligé, auquel koloba bandi ko condamné, o sungate boko yo kanati. Or, ce qu'on approche mutu o aza ko négligé, o bandi nanu ko conscientisé. O bandi ko solo la na ye, ko talisa ye, avantage na désavantage. Ya mwana o yaza abusé, moi si waza abusé, to mobali waza abusé. O bandi ko talisa, soko bandi ko conscientiser, malembe bo bandi ko solo. Soki azali vraiment moto aza open, o romona ye moko akobanda ko solo la na yo, akoza open, pe bandi ko yebisa yo le problème. Ndenga na ute koloba, mousou su ezalaka involontaire, moutou mswa yebite kazo salango. Surtout, biso basi ezala mingi, soki oza net hotel koloba émotionnellement osa down au bando sala makamso zo yeba te ke zo négliger eza ko affecter ba vie ya bana mais tant yo o approcher o observer situation o approcher yo o bandi ko solo la naye o bandi ko conscientiser soka zali muto aza open a robanda ko yebisa omoni o ko comprendre wana oza na facilité ya ko sunga famille wana o esika abuse par négligence ezali c'est vrai l'approche eza vraiment très important comment yo ko approcher mutu oyo o remarquer que situation na ezakati na famille na ekati na libota na ye lolenge nyo ko approcher ye mama betia ebisibiso il faut d'abord otala relation nini eza entre yo na mutu wana soki eza mutu moko o bosola kané déjà bien boyebani très bien er moko bo partager quand même ba joke boko ki ko sala ba joke ensemble c'est facile d'approcher cette personne là tu peux l'approcher tu peux l'aider
Olobina est directement parce que Okoko a expliqué qu'il est condamnable. Cette situation, si ça persévère, Bakoki un jour na école ko bengisayo. Et si na école ba comprendre ango ba remarquer ango to yebi ke ba boto la kabatu bana surtout neglect et abuse oyo est vraiment très important ya ko éviter ango na bana surtout ayez bana na niveau école parce qu'on a to vivre kati na communauté. Il y a des gens oh peut-être ban na bakenda école ban école na zana nzala ban na bakenda école ban école na école azoke na poubelle ko lukabiloko lolenge mama beti alobaki et situation économique ba benga bon ba social worker yeah ba komi ko na ndaku ba ebi ko ba ko ya ko botula obana tout ça. Alors il faut oyé bandenge nini ya ko approcher mutu ana pour na ko aider avant que e ko mana situation oyo. Donc approche d'abord faut ça par rapport à relation na bino ndenge nini bozalaka ko ko lobane directement ou bien ko ko lobane ndengo ndenge mama beti lobi par ba nino yo par ba cadeau et ndenge mama kabibi alobi il faut ko ba ko conscientiser mutu ko conscientiser mutu ça plus important que ko condamner so okeka eh yo penza nini mba no bo nini souka ba no isa toujours salité wana oluki problème na ye bokomi ba komi na ba tiraillement et y aura tant de choses mais so ko osali approche moko avec conscientisation okoki tous les jours ko rappela ke eh bana moi na souki ne bébé hein aux autres tenter ya on me maye ba sale souki et puis nga na ba ko sala souki na ko ko bongi c'est parce que c'est na école ba tala ra même ba souki même souki souki a moi les a toujours ils a toujours bien té ba koloba bilamba souki ils a toujours bien té ba koloba. Alors ma maman, nous sommes là pour s'aider, pour partager, pour se conseiller. Toi qui nous suis, si vous avez un conseil, moko, au coquille toujours kotiango, au coquille kokomayango, au coquille aussi ango na commentaire, toko tanga ango pe toko loba conseil oh yo lingi ko pesa pour nos enfants dans ces premiers points que nous sommes en train de partager, neglect, abuse ou bien l'abus par négligence, maltraitance par négligence. Okoki toujours kotia commentaire na yo et so kotia ango tokoye ba ko partager ango conseil na yo pour que toute personne qui est en train de nous suivre maintenant azwa quelque chose. Et nous sommes toujours en train de continuer avec l'abus par négligence. Nalingi kotou na lisou question mamak abibi. Est-ce que abus par négligence wana ezape na niveau ba mikolo parce que tolobeli plus c'est toujours ka bana bana. Est-ce que ba couple ba famille comme mari et femme. Est-ce que tokoy kolobela pe négligence wana? Yes mami. Ba couple belé pe ba sa négligé. Papa tout comme maman pe et belé. Et belé bazali vraiment na communauté na biso non seulement pe na communauté na biso partout déjà papa o azo prendre soin moi si na été moi si on aza abusé maman o pas o prendre soin mon balité mon balio on aza abusé donc donc tu veux dire que ceux qui papa a ceux qui maman alambara na été na ndaku et que biloka o li ezate pona bana même pona papa donc papa pas a abusé mais oui papa a abusé parce que yozo profiter peut-être que papa na zolo baté makamozo sala ta mo zolo baté zo mona passé a que peut-être si kamoko boy amoni moi si moko azo complimenter mo bali nae ye azo kamote peut-être nanda omoni ata zolo baté omonte que yozo profiter na muninga lokola mo bali nanga lo bakate a se plaigna kate zo profiter zo continuer ko sala ngo mais ye azo sala abusé katinae omoni ezo sale passé na kati ya ndako eza ebele tout ndenge moko na mama papa otola ka mama ka aboy ozo mona mama donc ozo lobela mama e lokote mama on a pe asa abusé donc abu na kati ya communauté na biso na mikolo eza vraiment fréquemment pe eza courant mais ozo salama ebele vraiment na kati ya communauté na biso mama. Oui, ndenge mama kabibi a uti koloba na kopi cet exemple, ils a vraiment fréquent na kati ya communauté, na communauté surtout ya même que ce soit dans la communauté européenne bien la communauté africaine, ba bio ils a vraiment ils a fréquent. Et na yebi couple moko
Abezana papa moko abengisa ki mwasi na ye mwasi aye na Afrique auti Afrique alors moi si n'avait pas connaissance ya tout comment les choses marchent ici makamnyus otundenge le kakawa moi ça zangi na connaissance na ngote alors tango mwasi aye papa atie mwasi na na dossier na ye on commence à payer mwasi bazo pe bazo futa pona mwasi papa pa zai ko sala tout ça et papa lobi ke mbongo ezate moya pesa ka ye atang mbongo akosomba lamba ezate moi pe chaque attend bongo ya ke basa la ba provision a bien entendu que c'est donc moi si ayé na libala mais au moins la différence était entre vie aux Afrique en Afrique na vie oyo a komi na en Europe parce que mobile ezaki toujours na ba raison au nom bongo ezate ou na osala ba zo futa bisote et ezalaki comme sorte a bio alors tant moi si ayé ko fungwa ma miso a komi ko comprendre que ndenge nga na ya awa ba futa nga de jambongo ndenge nga na ya awa. Donc, Nazan a droit à ceci, Nazan a droit à cela, et la femme cherchait maintenant Yakoluka Badroit Naye. Et tant que moi, Yakoluka Badroit Naye, et comment qui, moi, problème. Est-ce que maman, Betty Okolobani, n'est pas un comportement à Bongo, na Kati Yakouple, na Kati Yabafan? Comportement à Bongo est condamnable. Premièrement, il faut condamner les papas, n'est-ce pas, Saliwana, parce que c'est triste. Et bien, à Bongo, Yawande, et même Marabatou Naba. Divorce, ba séparation, et même rabatuna ba violence et coma. Tu vois, moi si on a des nakaya bongo, tu vois, moi si on a tant à quoi apprendre, tant à quoi yéba, ba droit naïe, ou on a des scores et coma grave, scores et coma qui, puisque mouton bon, on va aussi qu'à la peca en dégonatin, ce qui aille à quoi s'intégrer dans boca, à quoi évoluer, tant à quoi yéba, apprendre ou à laisser. Donc, papa en a des scores, il faut zara que, ne go to lobika, que la bisoba nanzambe, nzambe de mouta osa. Nzamba ko touché maman wana té maman na ko za touché au comprendre ce qui papa na a comprendre ka za osa mabé a ko ki ko se repentir a ko mi pe bien a ko changer mais ce qui papa na changer ta dit mutu bakasi wana en tout cas e ko za la mais maman on tant singa la lingina ba ki seza pe na ba maman misu soyé a sali ndenge ka olobi a outi afrika ye a sali ba 6 ans na mboko a sali ba 10 ans a ye bi atande nga ko cacher mbongo té na cash machine parce que nous surtout papa quand mtu asalaka mama ayebite ayebie loko mon côté ayebiku tata carte té pour nous surtout papa mtu asalaka on monte que papa on azako abuser na mama wana parce que mama on ayebie loko té or yo bengisi muninga ya il faut yonde mtu orienter muninga il faut yonde mtu totalisa muninga siko yo profiter na faiblesse muninga yangona sito zolo ba ezali abus osako abuser na muninga. C'est ça, ezali vraiment abus et singel abisso tous à la ndenge toba ki au départ déjà bible zotel sa biso ke oyo lingi te basala yo ko sala moninga te. La bible nous dit dans Luc 10:27 que tu dois aimer ton Dieu et tu dois aussi aimer ton prochain. Donc tant o lingi prochain ayo o ko linga ko sala e mabete o ko linga azala malamu o ko linga azala à l'aise. Voilà pourquoi bien aimé to lingi ko telisa biso que c'est vrai ezana ba bu na kati ya communauté mais si tu trouves des cas pareils c'est ce mieux d'approcher c'est mieux d'expliquer et d'aider la famille même quand il na ba foyer ba maman ou yo baza négligé par ba papa ou bien ba papa ou baza négligé par basi na bango et sengeli koye ba ndenge nini ya ko approcher ko aider bango pour que kubalongwa na situation na parce que ye ba ko affecter vraiment vie ya moto. Là on était en train de parler ya neglect abuse ou bien maltraitance par négligence oyo des fois ezalaka consciemment ou bien inconsciemment ndeto uta ki ko expliquer ango il y a d'autres personnes qui le font inconsciemment déjà azalrané bongo azoy baté ka osala mabé alors quand la communauté l'école partout vont les remarquer et comme il problème monene bamsusu basala kango consciemment azoy baké non nazana tenté ya ko prendre soin à bana nazana tenté ya ko vérifier ndenge ni bazo kende na école consciemment tellement il est busy, azabuse, il saute à la mkara 5h à Kemoussala, les enfants c'est de Bruxelles pour aller à l'école. Maman, mon frère, papa, aidons-nous, aidons nos enfants pour qu'un jour nous ne puissions pas nous retrouver nabaka o eza ya ba biniglet par abuse, ba botoli obana, école et komiko convoqué yo, vraiment eza important toye ba ndenge nini ya ko approcher ba to bongo ko aider bango. Nous allons aller dans la pause
pause publicitaire. Après, tokoyeba susko zongela pona kokende na deuxième point na biso. En tout cas, les quatre autres lobaki lolenge te na biso zo kende. On ne sait pas si on continue dans nos mains. Toleki, je crois, l'essentiel est dit pour l'abus par négligence. Et Toko, le Canadiens, un point d'abisso, ou Ezali, physical abuse, en anglais. Et puis Toko, loba, maltraitance physique, en français. Si on peut nous donner un moment de pause. Merci. Ministries invites you to their 30 years anniversary. With 3 days of celebrations, with your host, Pastor Mabs Nakumu, and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022, and Saturday the 1st of October 2022. At Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Heirs Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu, and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022. At Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Heirs Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu, and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022. At Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Welcome, welcome back. Tozongi sous une émission à Bisso. Comme nous l'avons dit au début, partagez, aimez, cher, commentez. Et ça, c'est à Bisso. Bien, nous avons vu des commentaires. Maman Aline Pia. Alobia ou un commentaire naïe. Alobi, surtout, ba maman ou ba outak Afrique, ba soufraka mingi. Pona ba papa balinga ko fungola te ko ebisa bango bazaka vraiment abusé côté wana. Alors nous en profitons pour conseiller na ba papa tant mama ye lolenge mama ka bibia lobaki soit ouvert. C'est ta femme azandenge bibelo bina biso la chair, l'os de tes os, la chair de ta chair. Donc il faut zala na bolingo pa na ye o fungwa me pa na ye o la kisaye o pesaye o valoriser na miso abatu.
Mais on voit, on verra que papa y est moko azola ta bien, mais maman, des fois, au vent d'ici, quand maman n'a pas qu'on zone, on ne même pas l'ibanda, parce que tu ne sais pas comment partager, comment lui donner, comment acheter pour elle. Et maman, des fois, zo boya kobimana yopo, amoni azan et lamba qui toka ou la tate. Nanda que l'eau monte depuis aïe, aux autres baka, aux anangote, aux autres travaillent dur, mais bon, ça mouke, il y a trop de dépenses à faire, et ça, c'est maltraitance. Et les comme maman, maman Betty, tu as quelque chose à ajouter là? Oui, en fait, il y a ajouté. Pour mon exemple, maman Lobby, il y a moi, si il y a un des gens qui sont en Afrique, il y a qui abus par négligence. Il y a des gens qui négligent, il y a des gens qui ont produit automatiquement, ils ont produit babu, ils ont comme ami balé. Ils ont comme émotionnel na kati. Na émotionnel wana tant moi ça aux émotionnel mon baba au moins ça combien poli azo kanga susuté dia wana tant to baki tantôt et ça émotion ekota et na émotion na sko et quoi robot ta babu et ko donc dia wana to baki na ibandeli tant to tanga ki ba sorti ya babu to baki za 4 mais na kati wana ezebele et belé wana ebota kana boy so que zane ti moko net taka ya mama na biso za ki par négligence et boti émotionnel na émotionnel wana ko robot ta physique pour tant moi ça au koma stressé à okoma na mawa à okoma dopé sa réponse mobile à okoma silica et okoma ma kofi, c'est ça. Donc c'est ça ndengo lobi okoma ma kofi. Nous allons entrer dans notre deuxième point autolobi toko to partager le lot eza abuse physical abuse bien abus physique maltraitance physique comme on l'avait expliqué au début que ezali ko beta tant au moni que ozo beta ozana violence ko simba na nzoto eza vraiment abuse yango tolingi kokota na deuxième point na est-ce que na société na biso na culture na biso africaine question na ngeza boy corriger un enfant na ndenge ya culture na biso ya Afrique na lo lenge ya culture ya européen ya awa ndenge na culture ya Europe awa na culture na biso ya Afrique wapi eza malam poto moni tant to lobeli physical abuse ndenge za ko beta eza vraiment condamnable awa en Europe mais biso na Afrique kuna donc eza quelque chose to mona ango normal même na ba école omona bazo beta bana ndenge lobi bazako tia biso ba règles boye bazo beta mais pourtant awa na Europe eza vraiment condamnable. Alors je veux savoir culture ni neza bien mama kabibi na ya Europe na ya biso ya Afrique which one is good? En tout cas, pour Nangai, na kolobanyo somi baleza good. Mm-hmm. Pour Nangai, okay. Na kolobanyo somi baleza good. Ya solo ko beta la ma ko beta biso na Afrique wana za good. Ezo dépend. Mm-hmm. Parce que ko beta ya ko beta ya ko nyokola mutu ndeza vraiment mabe. Mais ko beta ya se na lobine tina bala na biso otoboti aba na biso bazokola a. Omoni mwana soko azamukie asali eloko moko opeteka mwa mbata moko bemuke a comprendre que loko na sali eza mabe. Soko tiki epo na ye a comme sango habitude amona ngo eza normal ke basala kaboy. Par exemple, bana soki baza miketo yebi mutu soka zomela bozana visiteur nanda kwa zomela masanga a okine koya azu faire ameli vers ya visiteur eza mabe mais soki asala kango eko beti mwa mbata na liboko a obanga moni a osala ngo lisute omoni obeti te po nyoko la mwana mais obeti po o corriger mwana soki siko okomi ya kobeta o ya kobeta ke mwana komi na ba bruise mwana komi na ba pota okomi kobeta ernyoso mabe makasi parce que fimbu peza la ka er moko biata cheval mama soka bungi nzela ba beta ke mwana mazongi nzela mais kobeta o ya kobeta oyo ya koyoki samuninga pasi en tout cas wana eza condamnable vraiment. Yes, mais na moni awa na nini na culture na biso ndeto vandi a en Europe awa on dirait penza ko beta mwana eza na interdiction totale. Yes. Donc même soko meki ko beta soka mwana azat même asa na brousse. Yes. Mais soka mwana kene école abetika li solo ke ba beta ki donc awa eza penza condamnable. Mm. Mama beti yum to za teacher olobi nini pona wana en fait ce qui est comment vraiment condamnable parce que les cas fina tangwa kala ba bandaka ko beta ba pare bele ba abusa au moins ko beta biso mo pende na ba na bandi ba reg ba zo beta biso na banate tout ça là ba pende ko abusa biso ce qui est là qui ba parents ba ya na to za na ba nini ba système on ezali dango a ba zo beta ka bana ba za ko sa ko ezande to ba ki ke abus ezali excès il y a usage za ko répéter za répétition tant bozo répéter comme ce ko mabe yangwana et comment ki ko comme
condamnable. Même à tanga mope personnellement na moni yango eza condamnable. Ko beta eza mabe. Na place à robeta il faut parler, communication. Ozo so na mwana. Ou bien na place à robeta au privé mwana ba jouer. Au privé mwana téléphone par exemple. Téléphone et lokwa robia au privé mwana. Pinsio moko bien kaza opesa mwana na mobali. Pona pona ki ba na linga ba dessin animé ya Tomé Jerry. Na tie Tomé Jerry va makasi. Na bine tu vas pas regarder za na couloir. Azo yoka. Mais azo monaté ils ont ça pense abuse moi moni c'est qui abuse hein c'est qui abuse c'est ça il faut à comprendre mais c'est pas mais on ok l'abuse m'soute moi non c'est qui abuse c'est pour azo kaposata à comprendre que si on a sali ma bé là autant Tom et Jerry bah on lie que obéte aé on les qui c'est aussi qu'au côté wana ils ont un babylon au moins ça y a miké miké mais souvent il y a des gens qui sont dans le monde. Mais c'est comme ça que maman a dit que non, elle m'a dit que moi, par exemple, la lingo soit vert, il y a invité Nandako, au salier, moi, en bata, mon keboé, et que Zongi, ça a une conscience à comprendre. Wana, Eza, Kobe, Tate. Wana, Eza, Ozo, Bana, moi, on a stop, don't do that. Mais stop with touching, ou simbié, Eza, Kobe, Tate. Moi, on a comprendre que Eza, Kobe, Tate. Moi, Obe, tu ne peux pas. Ou on a soit obéti parce que ça lui passe moi là parce que obéti soit tu don't touch et ça au sali et ça acte et ça violence mais ça acte à interdiction ou faire comprendre que don't touch. Ah, donc nous voulons dire que abuse physique abuse et ça ou et ça plus répétitif ou est-ce qu'on peut se répéter ou à tout moment ou ça qu'obéti naébi couple moko bakabwana ki mwasina mobali. Alors tant bakabwani babota ki mwana moko. Alors mama siko mwana ana aza elongi ya papa na ye. Donc textuellement mobimba papa na ye. Siko mama kanda ya papa ndenge bakabwana. Donc akoma komona mwana na neti papa siko ye wana. Donc mwana ana soka selika likamuke. Kobeta kobeta mwana wana. Donc ekoma ki lokola abuse et puis c'est qui non seulement une fois mais koma ki vraiment répétitif. Et les gens ba tunyu surtout baza okende kuna ba koma ko comprendre non mama o penza mono yemta bota et toi bota été. Koma beta kaebo. Donc ce ko kanda o ya mobali ya kenda. Ndenga mona ka mwana na zo rappeler longi ya papa na et donc ce qui ka mwana na sali likambu il faut beta e. Wane komi abuse. Donc ce komi répétitif Oza malamute. En de totali touti ko expliquer na société na biso na société na biso africaine na société européenne. C'est vrai ici en Europe. Moi aujourd'hui, tant on a zota la ba vidéo, o yonde bazo beta bana na Congo. Dernièrement na toile il y a une vidéo qui passait et ça na maître moko na école azo beta ba je sais pas si vous avez eu l'occasion ya omona ngo donc ça commence à me scandaliser pour ça na ba mlo mususu oyo awa na mona ngo li souté et ça permis donc comme que je commence à me demander donc ngape ne ba sai ko beta biso ba règle wana ba beta biso to sai na teacher moko azo pe sa conjugaison chaque samedi tu sais que les samedis et ça qui na ba na ba ki ma classe. Yeah. Bazulingo yate pona conjugaison soka bandi conjugaison aleki sibino ba créer libo so bo banjo koma soko salika faute alobaki verbe wana o salango koma ngona ta présent soki yo komiango bien te na 6 wana ndenge salaka jeti ya nini wana soko komiango bien te oyo ndengo komi bien te nombre ba fouyo kozwa et puis ba fouyo ne salaki vraiment na molé awa. Et c'est là qui abuse les aujourd'hui nous a scandalisé nango. C'est pour nous faire comprendre que c'est vrai que nous pouvons il y a d'autres choses qui n'est pas acceptable dans la société africaine et nous devons évoluer en Afrique. Et nous qui sommes ici, ceux qui sont en Afrique, peut-être nous pouvons aider, parler, expliquer parce que ça vraiment condamnable, c'est qu'il faut évoluer. Mais comme maman Kabibi avait dit, ça peut une façon yako aider mwana ko conscientiser que le kambo azo sa mabe mais ce qui est commis répétitif wanande e commis mabe donc tozo continuer toujours na abi physical abuse na ngina tuna question est-ce que les fouets aident à l'éducation des enfants? Non. Est-ce que fouet ko beta bana ça peut aider à l'éducation des enfants maman kabibi? Non, nga na koloba non fouet en tout cas et dakate. Par contre, eloko e daka eza ko solo la. Parce que soko beti mwana et que o expliquer été. Tout à l'heure nazaiki na solo ki na jeune fille moko mikolele ki azo ebisanga lobi mami. Abino bolobaka na biso kaka kanga mtema mais bo explika ka biso te.
moment que vous sungez bisoté, ngamokolé na fantinga biwi basa na raison. Tozo bala bango bakanga mité mala mabala, mais tozo expliquer bangote, tozo pesa bangote quoi faire, comment faire. Mais tozo bala bakanga mité mama, mais azar qu'on se retrouve na kata situation où yé azar abusé. Omoni mami, en tout cas fouet et sungagate, ko solola moi na soko sololi na moi na to mutu. O sololi na mutu conscientiser, ko conscientiser mutu ça très important. Mutu po atika mabe, il faut a comprendre nanu ke na osala mabe. Soka komi na niva ko comprendre te ke na osala mabe to makam na osezo se pesa muninga te, a o changer te. Mais nga na moni na ebi ke il y a d'autres personnes oyo baloba ka ke na Afrique. Foué ndenge papa za iko beta bango et da bango et ta bango pour l'éducation na bango. Oui, est-ce que eza bien le foué eza bien pour l'éducation? Manazonge na no mama beti foué eza bien te pour l'éducation parce que foué ce qui moi no aza foueté souvent moi na wana akokoma agressif. Alors pour dire que d'abord ndenge to bi ke ba tumiso mon ande bi ke ba couple mso mon na ke papa beta ka mama oyebite source tamu so papa na za ki peut-être ba za ro beta. Koko mwanu ba betaka akoma agressif akoma stressé akoma bien té. Ya wana to mwana même atana Afrique bano bazaro betana. Dieu merci misu ba kolana bango bien. Mais misu ba zo ba déceptionné na. Mais ndenga na zongeli misu batu o ba lo baraké du fait que bazayi ko betayé et daye et taé na vie. Mwe wana edaye. Malobi ke ba tompe bazaya mingité. Misu seza ke ezaki parce que azaki ko banga. Ko banga na asako banga mais oyebi eloko esalaye mentalement te. Yes. Et pour, je suis sûr que ça produit ça reste des séquelles. Maman en tout cas ba séquelles étiques là. Mais si maman kabibi, eza na bana mususu ata ozo conscientiser. Tu lui fais savoir que likambwana eza mabe mais azongela ka likambwana. Ozo ben okome obligé que non fona betaye. En tout cas nga na oloba ko bete eza mabe. Parce que nga moko maman otans na betama. Ngai na beta ma pesa. Est-ce que est d'accord? En tout cas maman ta c'est bête en tout cas est daté. Ya on a lobby vraiment ko beta eza malamu te faut ko conscientiser mutu. Parce que maman la biso azala ki tellement méchante. Maman la biso azala ki eba so ba ya ba Hollanda yo. Yebo ka yebi na lobo kanai je l'aime bien. Maman la biso azala ki tellement méchante. To pesa ki kombo kutu Serex. Au moins, la fille a X or. Au moins, c'est vrai que ce qui est un peu projeté, au moins, la projeté dans le monde pandémonium, a projeté d'autres, mais non, c'est vrai que tellement ça qui est méchante. Donc, maman, la mission, ce qui a été, a coûté que le monde sali bien, t'es à cobête. Donc, na bêta, man, à niveau moko, et puis, le bosso, n'a pas de grand frère, ba bêta, ngaï. Mais, reste, ma bandeille, cobête, langa, ba bandeille, koyeb sangate. Au monde, ba bandeille, koyeb sangate, ba bêtinga. Si, ko la, bo bêtinga, si, ko, après, cobête. Au monde, et c'est que ça l'élo comme mon côté. Par contre, ce qui l'élo oyo, babanda ko solo la nangai. Tant que sous bairé robe, on babanda mon anabanda ko sala. Nangana comprend, nangana tika. L'élo o ngana lobaka. Dieu merci na lobango po et ko sungape ba parent msusu. Nalinga vraiment ko lobango mingite. L'élo o so ki ngana bota avant. C'est parce que nazaï ki abusé auto loba l'élo. Po nazaï ko betama. Tellement babanda ko betanga, na comme ko sentir le ko la maman nangai alinga ngati. Parce que Kobeta on a tellement. C'est ce que nous avons dit, bah bien oui c'est compliqué, parce que si on a physiquement abusé et qu'on est émotionnel et qu'on est nanyon surtout. Yes. Continue maman Kabibi. Yes, nanso le bapo est sunga. En tout cas, na bandai comme on a monsieur qu'on a Luca qui refuge ailleurs, malheureusement pour moi. Donc tellement na bandai comme on a nanso qui a monté pas maman. Maman nanga tellement betanga betanga donc na koloba na verbalement. Na physiquement na nuance en tout cas j'étais vraiment abusé l'air nazala ki mouki alors na kende ko luka refuge ailleurs mais malheureusement ezala ki angote Dieu merci lelo na yebi nzambe en tout cas na sala ke fort omoni yango na koyebi sa bien aimé continuer à partager à commenter à liker nous voulons voir vos likes nous voulons voir de cœur nous voulons voir des likes continuez à le faire pour la gloire de notre Dieu tozolo belatem comment affronter les habits
comment affronter les habits dans nos familles, soko ebi famille moko bien na kati ya famille na yo, tu te sens menacé, abusé, comment affronter ton conjoint, comment aider les familles qui se trouvent dans de telles situations, des enfants qui sont négligés. Nous sommes en train de parler de cela. Tozo suko on a deuxième point na biso ya abus physical abuse. Question mususu na lingi ko tuna, est-ce que au en Europe physical abuse ezalaka mama Betty yo mutu ozali toujours na zozonga na domaine na éducation na ebi ke na ba classe il y avait un camp ya baby P et puis il y a un camp ya Victoria Klembier est-ce que eza toujours na babi parce que on a total yango et salami na ba société na ba communauté wala mususu esami na ya baby P eza na communauté ya anglophone et puis ya Victoria Klembier eza na communauté africaine donc olin kolobanye est-ce que ezali penza même na kati ya communauté na biso ezali na mama ezali mais oya Victoria tango ezala ki ka ya Victoria a partir ya Victoria nde et koma ki basala ki nani police moko ezali Every Child Matters. Mm-hmm. Donc, moi, donc moi na nyo surtout azali concerné. Mm-hmm. Donc moi na nyo surtout azali suivi. Ne puisse aux arabes na école ils arabes. Et comme même à taper, je suis désolé sorry. Même à taper na église, tant on va dans na église. Et c'est le mot c'est en moi. Na ça raba observation. Donc na zanazo talabo na biki. Moi non le problème est cause à bout. Moi na zo soit na maman zo ça mais d'accord mais il faut que moi na. Outiniquement non. Zoomo. Mais si l'État salarié n'y va changer en haut, donc comment on sala plus Kosolana banana dans ma école? Osoana moana. Moana a koikoye bate que Oso sa sondage. Sozaso moni moana zandenge, nazana kaya moana mobo, puisque la tanks à Bautiste. Ça fait 6 ans moana en haut. Moana wa bandakoya, tozana kura swimming. Ce comme kura swimming, moana wa zulinga au chocolaté. Biso le bibo, net kazara na ba ide, na bibo, ok. En tout cas, pas de problème, la soupe n'a pas été, mais et ça, la maca, et Zali. C'est vrai, pour ton information, sur Google, Every Child Matter. Au roman, a histoire, il y a Victoria Klembier, na baby P, au coquille qu'on voit, qu'on comprendre, bah, conséquence, nini, oyo, et y a qu'à ce qui osa qu'on abuse, moi, nana, yo, physiquement, et que école, bah, lundi, yango. Ok, na zongeli, et pas Mama Kabibi, question wana, ou yo pour confirmer comme ça? Si, nga na confirmer, na yebi koutou na communauté na biso, na yebi famille moko, moi la na ya moi si, jeune fille, abota, l'air abota, en tout cas na yebi te, qu'est-ce qui s'est passé, mais ezake, azwaka bébé, abamba ka esoki na mir, soki ndeni. Wow. Siko esali ke, bren ya moi na an ezake affecté. Siko yo, l'air ake na moi na na hôpital, to ebika hôpital ba constatant ba moni ke mwana wana zala ki abusé do ba beta ki mwana bébé ba beta ki mwana wana yango mwana wana komi na problème lelo bébé wana koma disable mama azana prison une jeune fille de 20 ans azana prison. Yeah, comme j'avais dit au début, c'est vraiment un sujet moko oza condamnable na société. On avait dit que bah victime nango lelo bazana ba trauma baza traumatisé, il y a d'autres personnes ndenge mama uti koloba ils sont des disabled pour baza victime ya ba abus et puis ezana na société ezana batu mingi oyo ba sala yango lelo bazana ba prison ba perpétrer ba abus na bana na banane lelo ba kota ba prison vie na bango et beba seulement pour na actuana. Alors nous devons être vraiment prudents et nous qui prions vraiment toi ba kolinga. Si tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu vas pas lui faire du mal. Et comme la Bible dit, ne fais pas du mal, ne fais pas à quelqu'un du mal, c'est que tu ne peux pas faire chez toi-même. Donc, tout ça, toujours, à bientôt, là, nous allons finir notre émission, mais nous voulons juste être au côté à moi,
mwa muke na toujours toza toujours na abuse nini physique na lingai ko bakisa muke ko talisa ndenge tolobi tangu tozo boko la bana na biso. C'est très important de comprendre la personnalité de l'enfant. C'est bien vraiment de voir, d'étudier les enfants et de comprendre leur personnalité. Si tu comprends la personnalité de ton enfant, tu vas savoir comment éduquer ton enfant. C'est vrai que tu as dit foué et ça m'a bé et ça condamnable, mais de fois foué et coquico aider par rapport à la personnalité de la personne, parce que la bana moussou sous la personnalité naïe tellement à zana turbulence à zana l'olenge moko boye ce qui au meki ko corriger na façon ana pas répétitif n'est au zoloba au mona aidé à comprendre. Donc et que vous à la canango mouke mais pas répétitif pour ce et comme répétitif n'est comme abu mais banam sou na personnalité na bango ce qui ka au meki foué aïe problème lobby et comme une école. Donc c'est très important étant de famille, étant de parents na katianda ku toyé ba ko étudier ba personnalité aba na biso. Mais moi na musu tellement za ayoka kata ayoka te so jour ano beti a comprendre pe au moins et sili azuzongela sou likambante o comprendre ye que moi na oyo en tout cas so sala sala rama kambo un jour na ko corriger le lengona et eza rare pa iko ma répétitif tout le moment wana o lukelo ba problème. Mais za ba na musu ba ko akokoka ko supporter onte wana webi ndenge ni akosolola na ye ndenge ni akoconscientiser ye. C'est condamnable, c'est vrai, que ça soit dans notre société, que ça soit dans la société européenne, mais nous devons aussi bien comprendre la personnalité de nos enfants yeba personnalité ya bana na yo pona koyeba lolenge nini ya ko éduquer bango. Et juste tokota moi muke na toujours na bi physique wana chez les mariés, chez les couples. Tolingi kokota na yango sikoyo epayi ya ba couple. Tolingi koloba boye. Question na ngeza boye. Comment réagir si tu constates que mobali na yo ou bien mwasi na yo aza na violence physique? Il est physiquement violent. Na kati ya couple tu remarques et tu constates que en tout cas, même moindre problème, et soukaka na makofi, et soukaka na robeta, comment réagir? Yes, car en dengue touti koloba, soki eloko nyonso muta komi ko salango et komi habitude, eza likambi ya kobelela. Ndenge baloba ka soko moni ndeko beleli. Parce que soko fandi nango, yondo ko kufa. Soko fandi na katona parce que eza na batu. Tozomona na communauté, tozomona même na isika tofandi a na ba news, tozomona basi ebele ba bazo boma bango na kobeta. Pona ni kobeta on ezale ka mukolo anate. Ezale ki ba bandaka kobeta beta e kobeta beta e puis yazo kanga mtema tina suka nango aye kokufa. Donc soki déjà ozofanda na mutu oyo aza agressive, eza déjà mabe. En tout cas, il faut o lukela ngo solution ou soit boke na côté spirituel. Oui, bien, tu as un problème spirituel, esprit moko aza animé na esprit moko ezo sale bongo ou carrément zandenge na soke zandenge na ko fana mutu azo betonde ni man carrément mama kabibi mama kabibi mama betiolo bini no bakisi ni ndaza ko appuyer mama kabibi en fait oui ezelo moko soke moni ki o remarquer ki na ka couple mo pa tout moi si moko aza agressif aza violent bloka di boso ezali communication, il faut en parler. Soki bolobi lobi moni ezo simbate ni mama akabivi alobi beta tangwa. Il faut ko loba, il faut ko bimisa, ko bomba te parce que ozo bomba titi toi-même. Oza komi kunda yo moko. Donc wana toza ko conseiller ba mama soki oza na kawana ko bomba te. Parce que bombi yo moni to sala ezali ko ya ko loba soki ba aider. Mais si vous y avez des fois et bandaka petit à petit, pour dengue de fois pasteur a pesé abiso exemple abi basi msu balinga ba beta bango mwa muke so ba beti et mwa ali wana ya ko beta et ko beta ali ko beta wana ezongi sa bolingo sala bien de fois il y a des ko beta et de ko beta ko beta bolingo esali yo moko senti ki mobali nanga ndenga betinga ba betinga bolingo mais ko beta ya muta ke ndekolala na hôpital. Ok, ne connais pas non plus tard plutôt. On est assis au bête à tête na lingo bête nga. Maman, je suis désolé. Ngai, ezara au bête à nyonso. Ngai, ngai retour au bête à tout que écoute nga. Ngai au bête à son au bête à mon autre tombe le bogo na kimi. Na kimi na ok ma pensa ko au soir gaite. Ngai au bête à ezama bête.
Donc on ne doit pas dire au bébé parce que c'est l'amour, non. Moi je chiffre maman mais ils ont la basse musique c'est pas la bongo. Chiffre là peut-être ils ont le mot ils ont ma casse mais il y a les coups et les coups. Et quand on met ça la coup on a la combelle là. Puis aux autres ça repasse. Puis aux autres ça repasse. Si alors tu as mal au ticato Luca. Il faut rebeller là. Après, il faut pas aider. En tout cas, ceux qui sont dans un couple qui va être à bon, il faut une solution. Il faut pas aider. Bino. Amen, amen. Bien-aimé, toute personne qui a été connectée, vraiment, c'est un conseil que nous pouvons vous donner que s'il y a quelque chose, ceux qui ont moni, dès le départ, dès le début, il faut mettre stop. Donc, hello quali bosso, il faut mettre stop. Comme maman Betia lobi communication. Yes. Donc, tant que on y souhaite papa a bandi na barba makambo ko beta ou bien maman a bandi na makambo ba gifle, directement loba stop. Non, 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 on peut continuer en côté, il ne faut plus jamais répéter. Donc, aux zongi sango li souhaite parce que le zèle au mabe. Et si on bandit par stop là, tu vois que next time a continué, a commis deuxième, troisième fois. Il ne faut pas garder. Là, il ne faut pas garder. Là, il faut en parler. Et comme nous le savons, meilleur conseil, il faut d'abord que Solo na bato au bazar. Bien disposé pour nous aider. Nous avons nos pasteurs, nous avons peut-être des couples qui sont déjà âgés. Batu oyo au sal rabango confiance. Oyo biki bakoyi ko aider. Ko bon bango na moté maté ezamabe. Il faut en parler. Il faut ko bimisa ango. Et si tu en parles, ça va aider. Il y aura des gens, des personnes qui viendront peut-être ko soana bino, ko conseiller bino par rapport à la situation. Donc là, c'était notre émission d'aujourd'hui. On a commencé par expliquer bah abus que total ici biso yango et to lobi lelo plus neglect abuse et puis to continue une partie ya physical abuse next time to continuer encore na physical abuse avant to expliquer biso lissu émotionnel na sexuel abuse to comme na suka émission na biso na kopesa ba invité na biso lelo dernier mot dernier conseil maman Betty. Ah oui, dernier conseil, il faut que vous allez makasi, il faut que vous allez éveiller. Maman, si vous allez éveiller, le remède des araka, abus. Amen. N'attends pas qu'il abus, moi, vous allez bien, excès dans la prière. Il faut abus, abus, donc vous allez, na exagération et la prière, il y a un des moutons qui ont été. Amen. Na luka, qui na luka, bal des avantages. Na ba inconvénient y a bu na mona ki ba inconvénient et c'est belé mais avantage y a bu et ça dans la prière. Plus de prière, plus de solutions. Amen. Amen. Plus de prière, ça va t'aider à surmonter ba abus oyozo passé nango et puis koyé ba ko partager ngo na ba tumsu so ba koyé ko aider. Mama Kabibi o ba kisini ni conseil? Yes, nga conseil na ko pesa kaka na mutu oyo alinga ko abuser na batu. En tout cas, yebake ezali mabe. Ko profite te parce que muninga aza faible. Na faiblesse a muninga. Yo o profite o abuse. Yebake un jour, ndeka tolobaka, nona 9 jours ezala kaya mutu, un jour ezala kaya nzambe. Yebake un jour, yo pe makambo ozo sala ezongela yo. Abu en tout cas eza eloko mabe. Abu nyo sotou ndenge ba maman batanga ki na debi awa. Tous les quatre examabe ko appliquer ngo na quatre famille. En tout cas examabe mingi il faut kotika ko baksaka ka ko appuyer ka ndenge maman beti a lobi prière ezali kolo na nyoso na makambo nyoso to lobi na pokwa lelo. Merci. Amen, amen, amen. Comme nous l'avons dit, abus, ezamabe, il faut l'affronter, il faut les stopper, il faut conseiller, il faut conscientiser pour que ezalate katina famille. Et nous sommes là, yo kiango, ozala na sagesse, lo lenge nini okoki ko approcher, mutu omoni azoko vivre situation wana. Merci à toute personne qui a été connectée. Nous sommes donc à la fin. Nous vous remercions prochainement les
mardi prochain, nous allons continuer avec notre sujet Oezo Lobela ba abi le lengue to tanga ki ngoni. Nous allons continuer avec la physical abuse et emotional abuse et puis sexual abuse. Soyez bénis. Je rappelle à toutes les mamans de Hearst Ministries que c'est vendredi, ba maman nyonso, les jeunes filles, les femmes de Hearst Ministries Nord et Istam, c'est vendredi, nous avons notre réunion de prière à 19h à Istam. Donc soyez là, nous allons prier et nous terminons notre temps de jeûne et prière demain. Et les 12, ça sera vraiment une bonne chose, une bonne occasion pour nous d'être ensemble, de célébrer l'Éternel et de prier encore. Nous vous disons merci, merci à notre Daddy qui nous a donné cette opportunité et merci à tout le monde qui était connecté. Soyez bénis, à la prochaine. Bye-bye. Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations. With your host, Pastor Mavs Nukumu, and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests, and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022, and Saturday the 1st of October 2022, at Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG.